Ma Mission TV, le miroir du monde. Comment dès lors comprendre les agitations politiciennes? Pourquoi la morale et la politesse ne peuvent-elles pas vivre ensemble? Est-ce donc que la morale est nécessairement impolitique? Que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination. La proposition de l'honorable Tsingy Pululu convient d'être classée comme tant d'autres dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Ayez, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Temple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Temple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Temple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Temple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Temple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Temple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Temple Royal, Kanokakae. Honorable député, chers collègues, l'Union sacrée de la nation est un mouvement républicain et démocratique, prôné par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, pour bâtir avec le concours de tous les Congolais, patriotes, et pris de paix, de justice et d'amour pour notre pays et son peuple, un pays fort, prospère et libre au cœur du continent et rayonnant dans les concerts des nations. Il ne sera pas un fourre-tout, ni un conglomérat d'aventuriers de tristes mémoires, autrefois décrié par le vénérable fait président Musée Laurent Désiré Kabila. C'est ici l'occasion de dénoncer les langages ourdiriers, discours haineux, propos incendiaires et irrespectés, véhiculés par certains leaders politiques envers le président de la République, chef de l'État. Aussi dois-je rappeler que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il est impérieux pour tout homme d'État qui aspire à la devenir d'avoir de la retenue, car la politesse ne fait de mal à personne, pour que lui aussi, à son tour, puisse bénéficier du même respect.
Il est bien insensé de méconnaître cette règle élémentaire, surtout lorsqu'on a exercé de hautes fonctions politiques dans ces pays. Pourquoi la morale et la politesse ne peuvent-elles pas vivre ensemble? Est-ce donc que la morale est nécessairement impolitique et la politique nécessairement immorale? Ne dit-on pas qu'un intellectuel sans morale est un jour sans lumière, ou que sans morale, la politesse ne sert que de cache-misère? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination? Notre peuple ne peut-il pas se remettre en question face aux actes de violence, atrocités et affres des guerres auxquelles il est confronté ces 30 dernières années de son histoire, ainsi que face aux trahisons et autres complicités des Congolais ambivalents qui ont plongé l'Est de notre pays dans la situation permanente d'insécurité? À titre illustratif, c'est avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nombre de compatriotes ont recouvert leur liberté. Certains condamnés à l'exil en Europe, en Afrique, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs, ont regagné le pays, recouvert leurs biens, circulent et s'expriment librement, parfois avec outrance, propos désobligeants contre les institutions et les autorités établies. Si ce n'est un cadeau, il s'agit tout de même d'une expression clairement établie de bonne foi et d'amour pour son pays et ses compatriotes, d'un attachement indéfectible à l'état de droit démocratique pour lequel il a sacrifié sa jeunesse. Ça ne sera donc pas sous les règles de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi respectueux et protecteur des droits humains, que ceux-ci seront violé. Dès lors, la proposition de l'honorable Tsingy Pululu convient d'être classée, comme tant d'autres, dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Elle relève de la liberté d'expression garantie à tous les Congolais, de surcroît un député national. Ce faisant, cette initiative ne devrait exposer notre collègue et les institutions de la République aux attaques, menaces et insultes venant d'une certaine classe politique, tel qu'il se constate dans l'opinion. Elle ne devrait donc pas non plus être imputée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République et chef de l'État, lequel a fait montre de tolérance sans précédent sous son règne. Le respect et la promotion des droits humains est devenu règle et leur atteinte l'exception, sévèrement réprimée. Sans cette obstination et la consolidation de l'état de droit avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'impunité, dans l'unique souci de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Pourtant, ce serait dans le cadre du débat démocratique et républicain qui caractérise notre Chambre que les élus devraient s'interroger sur l'opportunité et le bien fondé d'une telle initiative. C'est dire que l'Assemblée nationale, en tant que chambre législative et de représentation nationale, dans le respect de la procédure législative, se posera la question, le moment venu, sur l'utilité, l'opportunité et le bien fondé de cette initiative. Ce n'est pas dans la rue. À cet effet, nul n'est censé ignorer qu'une proposition de loi est astreinte à parcourir pour son adoption plusieurs étapes. Honorables députés, chers collègues, l'Union sacrée de la nation est un mouvement républicain et démocratique, prôné par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, pour bâtir avec le concours de tous les Congolais, patriotes et pris de paix, de justice et d'amour, pour notre pays et son peuple, un pays fort, prospère et libre au cœur du continent et rayonnant dans les concerts des nations. Il ne sera pas un fourre-tout, ni un conglomérat d'aventuriers de tristes mémoires, autrefois décriés par le vénérable fait président Musée Laurent Désiré Kabila. C'est ici l'occasion de dénoncer les langages ourdiriers, discours haineux, propos incendiaires et irrespectés, véhiculés par certains leaders politiques envers le président de la République, chef de l'État. Aussi dois-je rappeler que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il est impérieux pour tout homme d'État qui aspire à la devenir d'avoir de la retenue, car la politesse ne fait de mal à personne, pour que lui aussi, à son tour, puisse bénéficier du même respect. Il est bien insensé de méconnaître cette règle élémentaire, surtout lorsqu'on a exercé de hautes fonctions politiques dans ce pays. Pourquoi la morale et la politesse ne peuvent-elles pas vivre ensemble? Est-ce donc que la morale est nécessairement impolitique et la politique nécessairement immorale? Ne dit-on pas qu'un intellectuel sans morale est un jour sans lumière, ou que sans morale, la politesse ne sert que de cache-misère? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise
puisse adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination. Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination? Notre peuple ne peut-il pas se remettre en question face aux actes de violence, atrocité et affres de guerre auxquels il est confronté ces 30 dernières années de son histoire, ainsi que face aux trahisons et autres complicités des Congolais ambivalents qui ont plongé l'Est de notre pays dans la situation permanente d'insécurité? En vertu de notre règlement intérieur, lorsqu'elle est déposée, elle est transmise au bureau d'études pour ses observations. Ce dernier peut la rejeter parce qu'elle est contradictoire avec les principes fondamentaux de la Constitution, ou la renvoyer à son auteur pour prendre en compte les observations formulées. Elle sera ensuite renvoyée au gouvernement pour ses avis favorables ou défavorables avant d'être inscrite à l'agenda des travaux de l'Assemblée nationale. Son inscription à l'ordre du jour d'une quelconque séance plénière fait l'objet de délibérations à la conférence des présidents constituée de votre bureau et des bureaux de groupes parlementaires et de commissions parlementaires. L'ensemble de ce processus, loin d'être objet d'arbitraire, est fondamentalement marqué par les dispositions constitutionnelles et réglementaires auxquelles est soumise notre Chambre. Comment dès lors comprendre les agitations politiciennes constatées dans l'opinion, même dans les chefs des intellectuels de haut niveau, des diplomates et des honorables députés, pourtant fins connaisseurs de cette procédure? Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae.
Ma Mission TV, le miroir du monde.